Yep tout le monde, c'est Soft, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, ce sera un début de let's play sur Need for Speed Payback. En compagnie de Soave, mais malheureusement aujourd'hui il est pas là, donc il sera là la prochaine fois. Parce que le let's play on va le faire à deux. Je sais pas s'il va le mettre sur sa chaîne ou pas, mais en tout cas, moi il sera sur ma chaîne. Enfin bref, on commence le let's play, c'est parti. Donc déjà, faut savoir que le jeu, je l'ai déjà fini plusieurs fois. Et je me suis dit que vu qu'il est en jeu du mois, bah autant le faire en vidéo quoi. Comme ça, bah, je pense que je vais commencer une petite série, genre les jeux du mois. Je vais faire un jeu du mois ou deux, peut-être. Je sais pas, on verra. Selon les jeux qu'il y a. Donc, c'est parti. D'ailleurs, j'ai plusieurs jeux du mois que j'avais installés il y a très 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 longtemps. Enfin, très longtemps. C'est du style Tomb Raider et des trucs comme ça quoi. Tomb Raider, Uncharted et d'autres jeux. D'ailleurs, j'ai San Andreas aussi. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un let's play sur l'un des jeux du mois. Et puis après. Puis voilà quoi. Bon les gars, j'ai été vérifié et il se trouve qu'un jeu du mois je possède Call of Duty World War 2, Rise of Tomb Raider, Star Wars Battlefront 2. Et Uncharted The Nathan Drake Collection. Donc ça revient à Uncharted 1, 2 et 3. Je pourrais aussi vous faire Uncharted 4 que je possède en physique. Donc je pourrais vous faire les 4 si vous voulez. Il suffit de le dire en commentaire. Je pourrais également vous faire Need for Speed Heat, GTA San Andreas, The Crew 1, Far Cry 5, Watch Dogs 1 et F1 2016. Donc sur F1 2016 je pourrais vous faire genre des vidéos du style carrière ou quoi. Bon, c'était tout comme jeu que je pourrais vous faire. Après, s'il y a des jeux du mois qui ressortiront qui me plaisent, bah je vous les ferai quoi. Allez, je vous embête pas plus. Bonne continuation de vidéo. On va commencer ce petit let's play dans quelques instants. Un petit chargement. Cinématique. Tu sais que t'es en train de perdre là. Tellement beau comme voiture. Ça, tu le sais pas encore. Taylor Morgan. Premier arrivé à l'aérodrome. Par là où tout passe, c'est pas précisé. Allez, c'est parti. Moi. C'est tellement beau. Et moi, je croyais que c'était une course amicale. Pour nous, c'est amical. Le dernier l'appelait bagnole de rame. C'est un enjeu, là, c'est sûr. Ouais, mec. Waouh, je crois que j'ai jamais vu Max s'éclater autant depuis les vaisseaux. Bah, toi? C'était notre plus gros coup. Tu parles que je m'éclate. On va peut-être se secouer un peu. Sean McAllister. Oh le saut de malade. Pour ce display, je pense que je vais juste faire l'histoire principale. Je pense pas que je vais vous faire 100%. Ça dépend à quel moment est-ce que je termine le let's play quoi. Jessica Miller. BM aussi pas mal. Franchement, je crois que c'est une M5. Je suis pas sûr. Mais au pire dans le pire des cas, dites-le moi en commentaire. Hein. Tu te vois toujours gagner, Ty? Ah oui, il est je te vois pas devant. Et à l'arrivée, si, si, Kazoo.
c'était pas trop mal. T'auras moins de chance la prochaine fois. C'est pas de la chance, mec. C'est un don. Lina Navarro. C'est bon, Morgan. Tu vas conduire la bête. Toi et ton crew, je vous conseille d'assurer. Alors, j'avais pas raison. Lina Navarro est le meilleur fixeur de tout Silver Rock. Oh là là. Ouais. C'est de la musique à mes oreilles. Bon boulot, Rav. Tu l'as retapé tout seul ? Avec du temps et de l'application, un artiste peut changer n'importe quelle épave en voiture de course. Ouais, certes, mais la carrosserie laisse à désirer, hein. Ok, les gars. Vous savez ce qu'il reste à faire ? La teuf ? Mais non, s'entraîner. Vas-y, roule. Bah ouais, t'es con, Mac, aussi. Allez, c'est parti. Garder une roue dans la terre pour que ça dérape. Je m'envoie le bord à distance 65, mais je la remets à 9 et je bricole le plus beau projet de trip de tout Port Ulban. Jack, et toi? J'ai enfin pouvoir régler toutes mes dettes. J'ai tapé quand même. Je vais monter mon affaire avec le reste. Allez hop, reste derrière. Bon, dégoter la caisse de mes rêves, la gonfler au maximum et puis participer. Putain, elle m'a poussé la connasse. Ouais. Toi, Alina ? Moi, je me barre de ce soir. Pour aller où ? Loin. Hein ? Silver Rock, c'est trop top. T'as pas grandi dans le... Mais regardez, là ! Taylor et moi, oui. Il y a du bon aussi. Je lui dois ce que je suis. Ouais. On est d'accord que c'est elle, là. Clairement, c'est elle. Elle fait de l'anti-jeu, là. Heureusement qu'il n'y a pas de temps, parce que sinon... Bon, je suis au courant que le froid c'est le nitro. Faut te réveiller. Relax, Lina. Tu sais que je te rappelle, c'est toi qui m'as mis hors jeu. Tu vas faire une hypercar équipée d'un petit égotisme. Alors évite de me dire relax. Non, je vais tomber. Ouais, t'es où? Attention. Oh, ouais. Même pendant la mission et on sera devant. J'espère bien. Nous essayons à fraconner. Qu'est-ce que je disais? Je te manque. Voilà, t'as une route bien dégagée devant toi. Roule aussi vite que tu peux. On verra si t'arrives à maîtriser. C'est sympa de proposer. Tous les gangs veulent s'emparer du prototype installé dans cette bagnole. Ouais. Mais je te préviens, ils verront pas la bagnole avant que j'aille voir sous le capot. J'ai mis mon réseau en branle pour que tu puisses participer à cette... À votre avis, c'est quelle voiture? Donc t'as pas droit à l'erreur. Les gars, y'a pas de quoi s'inquiéter. Eh ouais, les gars. La ville en a jamais vu de meilleur. Eh ouais, jamais personne qui a vu de meilleur. L'autre que moi, surtout. On va faire sauter la banque. Eh ouais. Ça va le faire, les gars. La banque, je suis pas sûr. Fortune Valley. Un paradis pour flambeurs en plein désert. Ici, tout s'achète. Même la chance. Que les riches s'amusent à la roulette ou aux cartes, tant mieux pour eux. Mais nous qui sommes nés à l'ombre des casinos, les risques, on préfère les prendre à 200 à l'heure. Et ouais, ma gueule. Toujours à pleine balle. Tout le monde est prêt? Jess? Je suis en position tout près du circuit. Mac? L'une des meilleures voitures de l'une de notre speech, je trouve. Et il en est très fier. Bravo. Je suis prêt. M'amène la voiture et je m'occupe du reste. Oh là là, Rigera. J'ai notre cible sous les yeux. Le flambeur est là. Koenigsegg, Rigera. Comment ça va? C'est une journée parfaite pour faire la course. Marcus Ware, alias le flambeur. On est coté à 4 contre 1 pour la première place. Alors, je sais que le prototype ne me décevra pas. La question, c'est... Est-ce que tu seras à la hauteur? Évidemment. La puissance cumulée des moteurs électriques et du V8 biturbo, ça donne plus de 1500 chevaux. Ouais, je vais gérer. Hé, hey, pas mal. T'as bien fait tes devoirs. Et juste un truc.
J'accepte rien en dessous de la première place. C'est clair? Mais t'as l'air digne de confiance. Oui. Me déçois pas, gamin, ok? Eh ouais, ma gueule, t'inquiète pas. Il doute de quelque chose? Il sait rien du tout. Ah, allez, c'est parti. Ce doux bruit. Enfin, doux bruit. Je veux plus doux. Allez, c'est parti. C'est le couple de cet engin. La super Mustang de Rav lui arrive pas à la cheville. Regardez-moi ce qu'il y a comme voiture, sérieux. Je te déteste à mort. Il paraît que t'es le meilleur pilote de la ville, Morgan. Trouve-le. Kai, prépare-toi. Tu dois arriver à pleine vitesse au point de rendez-vous. On n'a pas le droit à l'erreur une fois. Quand t'auras sauté, plus moyen de revenir en arrière. Bah que j'arrive au point de rendez-vous. J'espère que t'es prêt. Je suis prêt. Presque. Mac, lâche-la comme il faut et fonce. Allez. Allez, c'est parti, on est en premier. On y est, les gars. Surtout, foirez pas. Eh ouais, t'inquiète. Mac, j'arrive tout de suite. Hop. Attention, tremplin en approche. Oui. Houston, la fusée est dans les airs. Le saut dans la bagnole à 2 millions. Est-ce que je peux dire à quel point je te déteste? Tu conduis notre gagne-pain là, Morgan. Livre-la, Rara. On est à la recherche d'une Koenigsegg Regera qui vient d'être volée. Ce véhicule vaut une fortune. Centrale, on poursuit la Regera volée. Code 3. À toutes les unités sur la poursuite, les en raison du prix de la Regera attachée de ne pas... Jess! On vous a dit de pas trop l'endommager, arrête de te mettre en plein milieu de la route. Continue, j'arrive tout de suite. Je sais pas ce que t'as en tête, mais arrête. Je te demande juste de livrer la voiture tout de suite. Il est dingue. Ah, il est dingue. Adam 1-13. 1-13, on le voit. Oh. C'est sur l'allée des milliardaires. À toutes les unités. Jess, wesh les gars, bien quoi? Accrochez-vous! Jess? Where are you? Et la voilà qui arrive. T'inquiète mon grand, je suis là. L'émission de Jess, c'est l'émission que je déteste le plus. Tellement chiant. Bonne chance pour elle est pas noire. Je crois que lui il est daltonien bon, un peu. Je suis mordu à l'hameçon, je vais les éloigner de toi. Pour boucler tout le secteur, on a intérêt à vite s'en débarrasser. Le VN5 nous agresse et nous éloigne de la Regera. Elle a été modifiée pour nous. Je regarde la map parce que là. Reçu Adam 13, déployez les tactiques habituelles là, pour la là, j'avais pas vu qu'il fallait tourner. Pourquoi t'as pas encore livré la voiture à Rav? Si j'avais pas regardé la map, je serais parti tout droit. J'ai une idée. Tyler, Jess, rejoignez-moi. J'arrive. On se voit là-bas. Où vous êtes? J'y suis presque. Moi aussi. Mac, est-ce que ça va? Allez, maintenant on part et vous tous les deux. Allez, hop, encore un tremplin. Ouais! On gère bien là! J'ai amené la bête jusqu'à Rav. On reprend la Koenigsegg. Bonne livraison, vieux. Moi je m'occupe des flics, Tyler. Vas-y. Bien piloté ça, Morgan. J'ai bien fait de miser sur ton. Ouais. Tyler Morgan, 23 ans, fils unique de Sylvia Morgan et de père inconnu. C'est bien, tu sais lire. Il a fait 6 mois de prison pour mineur après avoir été arrêté pour conduite dangereuse, c'est ce qu'il faut. Je suis le meilleur et je conduis une voiture parmi les plus rapides du monde. Vous aurez du mal à m'attraper. Je te conseille de pas jouer à ça avec moi, gamin. Oh, tu crois que tu me fais peur? C'est quoi ce bordel? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? What the fuck? Rav. Il est mort. Je les ai vus prendre cette voiture. Merci, monsieur l'agent. Qu'est-ce que la connasse. Rav, t'as pas parlé de ce qu'elle a sous le capot? Mes clients payent des fortunes pour ça. C'est toi qui vas le payer, Navarro. Les flics sont en route. Le clan te passe le bonjour. Mais ouais, connasse. Tu vas voir, tu vas voir. Qu'est-ce qui s'est passé, Navarro? Mac, emmène-le. Je vais distraire les flics. Mais... Oui, je n'ai jamais capté, mais c'est un vent à droite. Tyler, tu fais quoi là? J'essaie d'éloigner les flics. Allez, c'est ma mission. J'ai fait venir Navarro, c'est ma faute.
Maintenant, mets Mac et Rav à l'abri. J'ai une radio de la police et le tracker GPS de Rav. Laisse-moi au moins t'aider. Prends la direction du déversoir. Mais vite. Oh, encore les flics là. Bouclez tout le secteur. Flic droit devant. Prenez à droite. C'est que pour un GPS, vous voyez là. T'as fait la moitié, ça. Et mettre une musique aussi claquée là. Ne lâche pas. Jamais. Vous êtes plus sur Call of en mode zombie ou quoi? À droite, puis à gauche, prochain virage. Position du suspect demandé. Bien reçu, direction sud, par le barrio. Continue de rouler en direction du déversoir. Peu importe. Rav va bien? Je sais pas trop, Ty. Il s'en sortira. Bien sûr que oui, il a intérêt. J'y suis presque. Hop, petit saut. Reçu. Centrale, la GTR rouge a sauté dans le déversoir. On la voit. J'ai failli foncer contre les poteaux. Les flics ont décroché. Ton plan a marché, Jess. Tu te débrouilles, Tyler. Mais c'est pas le moment de planer. Les flics ont mobilisé de gros renforts. Ils sont en train de verrouiller toute la ville. Jess, il y a des Camaro. Mais d'où elles sortent, celles-là? Je sais pas. Elles ont spawné au plein milieu de la route. Il m'encercle. Regardez-les. Pauvre Camaro. Eh merde. Oh merde. Tu peux le lire. Où est la voiture? Lina Navarro. Elle nous a volé la voiture pour la refiler au clan. Vraiment? Ça, quel dommage. Alors tu me sers plus à rien. Bon séjour en tôle. Cela dit, tu veux te venger d'elle? Et moi aussi. Ouais, on va s'arranger. T'es peut-être un as, mais c'est moi qui tiens les cartes. Qu'est-ce que tu racontes? Pourtant, les flics sont pas loin, alors soit tu vas en taule, soit tu bosses pour moi. Tu mangeras, tu dormiras, tu conduiras, quand je te le dirai. Et le moment venu, t'auras ce que tu veux. Est-ce que j'ai le choix? On a toujours le choix. Et ouais, c'est soit tu vas en prison, soit tu travailles. Allez, pour lui. Monte. Je pense que la question est vite répondue. Quand tu te retrouves face à une belle bagnole, tu penses à quoi? À combien elle coûte? À la vitesse qu'elle peut atteindre? Moi, voilà ce que je pense. Je vois du potentiel. Je vois un nouveau défi à relever. Je me vois prendre tous les risques pendant une fraction de seconde. Je me vois, moi, en train de gagner. Morgan, le patron attend sa voiture. Ouais. J'arrive tout de suite. Punaise. On va s'amuser. Il a ses voitures, lui. Le boss a rendez-vous avec une grosse légume du clan. Ils sont en train de conquérir la ville. Il y a intérêt à ce que la voiture du boss soit là, après. Tu rigoles? Je crevais d'envie de poster à combien je me suis fait flasher. La DB11 Lower, c'est pas tous les jours qu'on fait un tour avec. Ça lui apprendra à engager des pilotes au boss. Mais moi je pilote plus, tu te rappelles? Le marché, c'est plus jamais de course ou c'est direct à tour. Ouais, je sais pas faire de rayures. Nos jours, le clan file un max de blé à des pigeons pour truquer les courses. Y'a même plus besoin d'essayer de gagner. À quoi ça sert si c'est eux qui décident qui gagne et qui perd? Le fric! Ah rien. Il fait super bien! Run de vitesse! C'est parti! Putain, ça fait du bien! Oh merde! Alors, t'en dis quoi? Je te file le numéro du mec? Ça me branche pas! Mais la com! T'inquiète! On a le time. Activité radar. Au calme. Tyler, où est ma voiture? Pas de stress, ouais. Ça arrive, t'inquiète. C'est comme ça qu'on traite les amis, Tyler? Hein? Ah. Ça s'est pas passé comme ça. À mon avis, ils sont pendus au téléphone à attendre ton appel. Allez. Ton complètement foiré. Et ton crew adoré est devenu le gang le plus recherché de Fortune Valley. Pour s'en sortir, Miller a dû jouer les chauffeurs pour les petites frappes. Et il paraîtrait même que McAllister roule pour le clan. Quant à ton mécano, ce vieux rat.
Ah, Lux, parle pas de lui. Quand tu appelles. Bien sûr. Tyler, écoute-moi bien. Maintenant, ton seul ami, c'est moi. Oui, Navarro te le paiera cher, et oui, je retrouverai ma voiture. Mais il faut que tu sois patient. Compris ? Je suis sûr que c'est sur le point de revenir dans l'ordre, tout ça. Je prends ça pour un oui. Maintenant, reviens ici avant que je m'énerve comme jamais. Mais ça va, calme-toi, oui. T'as cru que t'allais faire quoi ? Je suis arrivé, de toute façon. Navarro ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Ton temps est compté, ouais. Soit tu vends le casino, soit on te le prendra. Ah, toujours aussi sympa. Une bonne balade, Tyler ? Arrête, gamin, c'est pas le moment. C'est moi qui décide quand on abat les cartes. Ça fait 6 mois. Sors de là. Si je trouve une seule trace de doigt sur mes rétros, je te fous au volant d'un camion poubelle. Plus quoi encore ? Wow, regardez la Ventador juste derrière. Alors... Avec toutes ces belles voitures, laquelle est la nôtre ? Allez, taille. À votre avis. On rentre à la maison. Ben voilà, c'est ça. Ah là là. Je détourne par la maison et je me débarrasse de ce costard à la cour. Avec toutes ces belles voitures, on se tape cette chose. Eh, voilà. Mauvaise nouvelle. Le boss a retenu une partie de ta paix. Il y a une éraflure sur la S-Type que t'as conduite hier. Hein ? Fuck you. Qui a bossé la jag ? Eh, c'est pas moi qui décide. Mec, tu peux pas me dire ça. J'ai 2 loyers de retard. Il a déjà accroché. Oh, tu crois que What ? Aux As qui a marqué Porsche sur mes caleçons ? C'est ta mère, vieux. Assume. Mes chers pilotes, c'est votre gardienne qui vous parle. Ah. Et vous écoutez la voix de la rue. On est en direct depuis Fortune Valley la Rebelle. Les rues vous appellent. Elles n'en peuvent plus de n'être qu'un trait d'union entre un taf et une maison. Mais vous, vous êtes des pilotes. Attendez-moi, j'arrive, les gars. Qui parmi vous sera... Attendez. Ouais, 213 quand même, la voiture. Êtes-vous à la hauteur? C'est la saison de la vitesse. L'Outlaws Rush arrive à Fortune Valley. Seuls les meilleurs peuvent y participer. Mais seul le meilleur des meilleurs pourra le gagner. Si c'était toi. L'Outlaws Rush, c'est ça, ouais. Ça peut pas continuer comme ça. Je devrais déjà m'attaquer à Navarro. Eh ouais, frère. Avec le flambeur. Ouais, c'est un botch, lui aussi, là. C'est taille. À propos de ces courses de rue, file-moi le numéro. Eh ouais, raboule le num. Allez. Alors, il paraît que t'aimerais piloter pour le clan, hein ? Ouais. Dites-moi où est quand et j'y serai. Wow, tout doux. Tu crois que le clan recrute n'importe qui ? Tu vas d'abord devoir faire tes preuves. Si tu nous montres que t'es au niveau, alors seulement t'auras ta chance. Ouvrir la map. Et il faut aller ici. Bref. Cette vidéo est maintenant terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et partager, de vous abonner, n'hésitez aucune vidéo de let's play de ce petit jeu merveilleux qu'est Need for Speed Payback, et n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je fasse d'autres let's play comme Tomb Raider, Uncharted et tout, J'ai même The Crew aussi, j'ai The Crew si vous voulez que je le fasse, faut me dire tout ça en commentaire. Enfin bref, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ah bah non. Ici la voix de la rue. La rue d'où montent toujours des rumeurs. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? Des courses auraient été remportées par le plus improbable des concurrents suite à ce qu'il faut bien appeler une malencontreuse erreur du favori juste au moment de conclure. Qu'un outsider crée la surprise, cela peut arriver, mais plusieurs fois d'affilée.
Qu'en pensez-vous? D'abord dans l'West High, puis à Boomville, et sur les bords du lac aussi? Il y a quelque chose de pourri en notre royaume. Et moi, votre gardienne, je trouverai ce que c'est. Ouais, j'ai mon idée. Moi aussi. Bon, cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Allez, ciao, ciao.